Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter ce l'électricité Lotus Mural. Ce que vous voyez maintenant, c'est la façon dont il est placé sur la table supportée par le support. Si vous voulez accrocher la radio au mur, il vous suffit d'utiliser les vitiles incluses dans l'emballage pour fixer la plaque murale au mur. Puis vous pouvez fixer la radio pour accrocher au mur. La plus grande caractéristique de la radio murale est qu'elle peut être contrôlée par la télécommande. Toutes les fonctions du DR609 peuvent être contrôlées par la télécommande. La distance de contrôle maximale est de 16 pieds. Par exemple, on peut passer en mode FM en appuyant sur le bouton FM sur la télécommande. Ok. Maintenant, il est en mode FM. Appuyez de nouveau sur le bouton FM pour chercher les stations et mémoriser automatiquement la station. Maintenant, il est encore recherché et mémorisé. Si nous appuyons sur le bouton CD, il sera entré dans le mode de lecture CD. Dans ce mode, vous pouvez directement utiliser les touches numériques pour sélectionner le numéro de musique que vous souhaitez. Vous pouvez appuyer sur le bouton 18. Il sera passé à la 18e musique. Vous pouvez également utiliser le bouton Repeat pour définir le mode de lecture aléatoire. Lors de la lecture de musique en mode USB, SD et AUX, les commandes sont les mêmes qu'en mode CD, donc je ne les montrerai pas dans cette vidéo. Lorsque vous appuyez sur le bouton Lotus, le DR609 peut être couplé avec votre appareil mobile. Et une fois le couplage terminé, vous pouvez écouter de la musique via Lotus. Si vous avez beaucoup de CD de musique dans votre maison, DR609 vous permet d'être entouré de musique hi-fi à tout moment, n'importe où. Ce n'est pas seulement un lecteur CD, mais aussi une radio FM. C'est aussi une décoration murale idéale pour l'intérieur. Si vous avez des questions pour cette radio, si vous êtes intéressé à l'autre produit dans notre boutique, n'hésitez pas à nous contacter par email. La présentation d'aujourd'hui est finie. Bonne journée, au revoir.